Amis, j'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. On s'en mina mon lendam matetana à la couronne qui rondom. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne qui parle de l'actualité, surtout aussi la chaîne qui parle des artistes africains, des artistes guinéens. Bouyaka, bouyaka. Dari Halana, regardez jusqu'à la fin, il ne faut pas rater parce qu'il y a Gianni Alpha qui prépare quelque chose de la famille. Donc, c'est Bouyaka ou Laïkaï. On va parler aussi de Saïfoum Bandi qui prépare quelque chose. Donc, on a un rat. En tout cas, on va voir l'actualité africaine. C'est parti sans plus tarder. Regardez jusqu'à la fin parce qu'il y a la surprise. C'est parti. Retour la famille, donc j'ai vu déjà l'affiche qui vient d'afficher, donc Harry des affiches, mon affichon. On va commencer par Kemi Seba, on va parler de Kemi Seba vite fait. Donc, vous avez vu Kemi Seba, j'ai pas besoin de vous présenter qui est Kemi Seba. D'abord, tout le monde connaît Kemi Seba parce que c'est un Africain qui est engagé pour l'Afrique, surtout pour le développement des Africains. Donc, Kemi Seba a atteint 1 million de vues, en tout cas, sur son page Facebook. Donc, félicitations à Kemi Seba parce que, en tout cas, c'est quelqu'un qui est engagé pour l'Afrique. Maintenant, c'est pas fini la famille. Regardez jusqu'à la fin parce qu'il y a une olique. On va parler de Gianni Alpha et de Saïfoum Bandi. Allez. Bon retour de nouveau la famille, donc vous avez vu déjà l'affiche que je viens d'afficher, donc on va parler aussi de Fier de Bior, donc voilà l'artiste ivoirien qui cartonne en ce moment en Côte d'Ivoire. La Fier de Bior prépare un nouveau clip qui va sortir bientôt parce qu'en ce moment c'est les autres de Fier de Bior, donc c'est lui qui cartonne en Côte d'Ivoire en ce moment, donc voilà, félicitations à Fier de Bior parce qu'il est venu avec son style, donc je pense qu'il va cartonner. Et vous avez vu aussi Baba Jamal, donc lui aussi il a sorti son nouveau clip la famille, donc allez-y regarder parce que c'est un beau clip, donc le clip vient de sortir la famille, allez-y donner la force à Baba Jamal aussi parce qu'il lui aussi vient de sortir son clip. C'est pas fini, regardez jusqu'à la fin parce qu'il y a de la surprise la famille, c'est parti. Bon, la famille, avant de parler de Gianni Alpha et aussi de Saïfoum Bandi, donc, les autres filles, Gianni Alpha et Saïfoum Bandi, on va parler de Sidiki Diabaté vite fait. Donc, les clips de Sidiki Diabaté avec Carmen Sama, donc, qui est sorti le 25 février, donc, voilà, ça n'a même pas eu son main à les clips atteint 1 million de vues, donc, c'est énorme parce que les clips ont eu beaucoup de critiques, beaucoup des Ivoiriens ont critiqué déjà, donc, soi-disant que Sidiki Diabaté sort avec l'ex-copine de Djigui Rapper. Digue à la fin de payer à son âme, donc il y a eu beaucoup de critiques. Je pense que c'est à travers cette clip là, et que critique là que les clips ont eu de l'engouement que beaucoup de personnes ont envie de regarder. Donc tout le monde est parti regarder et les clips ont atteint 1 million de vues. Donc félicitations, c'est aussi c'est une façon de communiquer aussi. Vous voyez, donc Sidiki Diabaté n'est pas bête, ils savent que si prendre Carmen Sama, ça va en tout cas faire du buzz, donc ça va amener les gens à regarder son clip. Bah, il a fait. Bon, c'est une solution aussi. Maintenant, on va partir parler en tout cas de Saïfoum Bandi et en tout cas de Gianni Alpha. C'est parti dans les halles. Voilà la famille, maintenant on va parler le sujet principal. Donc, il y a un sujet principal. On va parler de Saïfoum Bandi. On va parler de Gianni Alpha. Ce qui arrive là, non, c'est de l'or. Donc, d'arrêt à la. Je vais pas afficher Saïfoum Bandi parce que j'ai pas besoin d'afficher Saïfoum Bandi. On va commencer par Saïfoum Bandi. D'abord, Saïfoum Bandi prépare en tout cas un clip qui va sortir bientôt. Un nouveau single, un nouveau clip aussi qui va faire un type. Parce que tous les singles de Saïfoum Bandi, ça fait beaucoup de types. Ça cartonne partout. Surtout aussi le nouveau clip de Saïfoum Bandi avec featuring avec Arteman qui vient de sortir là, donc les clips des Artem 100 000 et quelques vues, donc c'est énorme. Donc voilà, là les clips cartonnent partout, Sénégal, Gambie, partout parce que c'est un type. Donc tous les singles de Saïfoum Bandi, c'est des types. D'abord, j'ai pas entendu que Saïfoum Bandi est en train de préparer des albums, mais en tout cas, il fait des types. Donc il va sortir son nouveau clip bientôt parce que c'est un artiste incroyable qui sort des types toujours. Et maintenant, on va parler aussi de Gianni Alpha. Donc vous avez vu, en tout cas, j'ai affiché Gianni Alpha, adversaire de Mauritanie, et Simon Kakou, les rappeurs sénégalais. Donc, il y a quelque chose qui prépare la famille. D'abord, je ne sais pas si vous avez écouté, en tout cas, l'album de Gianni Alpha qui cartonne en ce moment. C'est un album dingue, la famille. C'est un album non, incroyable. Si vous n'avez pas écouté, allez-y. Allez-y, écoutez l'album de Gianni Alpha. Là, il prépare, en tout cas, un featuring malade, la famille. Imaginez Gianni Alpha, adversaire. Imaginez ce que ça va donner la famille. Gianni Alpha, Simon Kakou. Simon Kakou aussi, c'est un artiste sénégalais engagé. C'est un rappeur comme Gianni Alpha qui parle de la réalité. Donc, qui parle en tout cas des choses importantes. Donc, ça va être en tout cas sur la famille. Gianni Alpha, Simon Kakou, Gianni Alpha, adversaire de la famille.
Kono yerundon. Je pense que la concurrence entre les rappeurs africains est lancée parce qu'il y a aussi, en tout cas, Suspect 95 qui prépare quelque chose. En tout cas, bon, on va voir. Même Ibawan prépare quelque chose. Merci, ciao, ciao, à demain. Et abonnez-vous pour ne rien rater. Et partagez maximum, s'il vous plaît. Likez, donnez de la force. C'est très important, la famille. Je suis là pour vous. Ciao, ciao.